trois erreurs les plus courantes que font les prothésistes ongulaires débutants. Peut-être que tu feras ces trois erreurs. Et aujourd'hui, on parle des pop-its. Donc la première erreur consiste à utiliser des capsules soit trop grandes ou trop petites. Alors je vais te montrer, souvent lorsque tu utilises des capsules, allez, on va en prendre une petite comme celle-ci. On peut se dire au premier abord que, ah ben tiens, sur les côtés, ça semble correspondre. Mais le problème, c'est que je suis obligée de forcer un petit peu pour, tu vois, ça fait un petit bruit, pour que ça aille. Donc, première astuce, ça va être de venir ouvrir un petit peu, détendre un petit peu ta capsule. On ne peut pas le faire de trop non plus. Et ça, je te le dirai à la fin de la vidéo, mais voilà, peut-être que tu n'as jamais vu des capsules de ce type. C'est des capsules pop-it dernière génération, elles sont vraiment très sympas. Elles te montrent justement où est-ce que tu peux donc appliquer la matière, mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre truc qui est vraiment très très bien avec ces capsules-là. Bref, je te le montrerai après. Je te le dirai à la fin. D'ailleurs, si tu le vois tout de suite, dis-le dans les commentaires. Oui, Nathalie, j'ai découvert tout de suite pourquoi elles sont vraiment bien, ces capsules. Donc, là, on pourrait se dire sur les côtés, c'est tout bon. Mais il faut tenir compte du fait qu'on va mettre du produit à l'intérieur. Donc, pour ne pas que ce produit soit tout fin sur les côtés et casse rapidement, eh bien on va devoir choisir une taille un tout petit peu plus importante. Comme ici, voilà celle-ci. Alors on peut voir que ça redescend un peu plus bas, mais c'est pas trop grave. On va pouvoir, lorsqu'on aura le produit dedans, en fait ce sera plutôt comme ça. Voilà, et là ce sera encore bon. Deuxième erreur, c'est de choisir un pop-it qui est vraiment très en C-curve sur des ongles qui sont naturellement très plats. Moi tu peux voir que mes ongles sont pas naturellement beaucoup en C-curve. Si j'utilise justement beaucoup de C-curve, je ne pourrais pas les faire courts. Le C-curve se fait déjà sur des ongles plus longs, parce que si on l'utilise sur des ongles courts, ça va vraiment poser un problème sous l'ongle. En fait, sous l'ongle, on va avoir vraiment une remontée de gel d'un coup. Et c'est pas terrible. Parce que c'est lourd. Et parce que c'est pas très esthétique. Troisième erreur, c'est de mettre trop de matière. Et tu sais, tu as sans doute vu, quand tu appliques beaucoup de matière, que ça ressort par le haut. Donc là, j'utilise de l'acrygel nude de Your Nails. Et je vais simplement en appliquer un petit peu à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et souvent, c'est ce qu'on voit. Hein. Parfois, on voit tapoter un petit peu. Et là, ce qui peut se passer, c'est ça. Tu vois, je sais pas ce que... J'avais une petite poussière, enfin une petite paillette. Ce qui peut se passer, c'est ça. Tu vois, toute la matière qui va ressortir sur le haut. Et je vais quand même te révéler le petit secret de ce pop-it là, c'est que si tu n'as pas fait attention, c'est que il est totalement droit ici, il n'a pas de petit arrondi. Donc c'est à dire qu'on peut l'appliquer loin de la cuticule et l'objectif va être de le travailler en deux fois, c'est à dire qu'en fait on va venir l'appliquer sur le bout et ensuite on va venir rajouter de la matière dans un deuxième temps. Donc là, je viens l'appliquer de gauche à droite, mais surtout, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que sur le haut, ici, c'est très fin. Tu vois, c'est même transparent. Et c'est ce qu'on veut. On peut même aller encore un peu plus loin et faire encore quelque chose d'encore plus fin. Alors, je te conseille vraiment d'aller bien sur les côtés. Voilà. Et là, quand tu as quelque chose de fin comme ça, comme je te l'ai dit, là, avec ces pop-it-là, l'objectif n'est pas de venir à la cuticule. Hein. Ça ne va pas être de l'appliquer vers le haut ici. Et lorsque tu vas l'appliquer, en fait, hein, l'objectif va être de ne pas faire sortir trop de matière. Là, on va regarder qu'il est placé au centre. Voilà, et tu vois que là, j'appuie bien. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas du tout de matière qui sort. Tu vois? Là, c'est nickel. Et là, je fais catalyser d'abord le haut. Et dans un deuxième temps, je viens vérifier en dessous. Et là, on voit qu'il n'y aurait même rien à rectifier parce que c'est suffisamment fin. Tu vois?
là j'aurais même pas besoin de venir trop rectifier, on peut venir tirer un petit peu en dessous, mais là c'est même pas nécessaire. Donc voilà comment bien appliquer un pop-it. Et là on voit que finalement bah, c'était suffisant cette taille là. Et donc je catalyse en général juste le dessus et ensuite je viens retourner et catalyser par en dessous. Donc là, bon, je ne l'ai pas catalysé très très longtemps, juste une minute, tu vois que ça, hop, ça se décolle tout de suite. Et là, tu n'as quasiment pas du tout de l'image, tu vois, sur le haut. Ça va être vraiment un léger coup. Allez, on va le faire encore. Je comptais pas te montrer tout ça dans cette vidéo. Et voilà, si tu me connais un peu, tu sais que je suis généreuse et que j'aime toujours en donner un peu plus. Allez, on va faire le test juste avec le bloc polissoir, hein. Le bloc polissoir, tu sais que il lime pas grand chose du tout. Et regarde ça. Il n'y a quasiment rien à faire. Ça se fait tout seul. On va passer un petit coup de cleaner. Et regarde ça, on pourrait presque appliquer le gel là carrément dessus. Tu vois, il y a encore un micro rebord. Mais c'est trois fois rien. Allez, on va fignoler ça à la lime. Voilà, juste pour te montrer hein, que je fais quasiment rien, ça se fait tout seul. Pour moi, le pop-it, c'est vraiment une technique à connaître, vraiment. Et c'est pour ça que je l'ai rajouté dans la formation niveau 1. Parce que du coup, avant, je ne l'avais pas dans la formation niveau 1 et je me suis dit que c'était quand même super pertinent de le montrer. Mais on va beaucoup plus loin dans la formation de niveau 3. Donc, voilà. Et là, d'ailleurs, dans la niveau 3, je vais sans doute encore rajouter des éléments que je n'avais pas ajoutés jusqu'à présent, donc refaire une petite mise à jour. Et voilà, il ne nous restera plus ensuite qu'à venir appliquer le gel par-dessus pour venir faire notre apex. Puisque là, comme tu peux le voir, c'est assez plat et ça part vraiment en évasé sur l'avant. C'est plus large sur l'avant qu'en haut. Donc il faut que je vienne rattraper avec mon gel l'apex. Et voilà. Donc, est-ce que toi, tu aimes la technique des pop-its ou pas? Donc, dis-le moi, ça m'intéresse de le savoir. Moi, je trouve que vraiment, vraiment, c'est super pertinent comme technique parce que ça permet d'avoir, surtout avec l'acrygel, quelque chose de très, très stable. Mais on peut le travailler en gel également. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour un prochain cours où nous verrons eh bien, les trois erreurs concernant le vernis semi-permanent. À très bientôt et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Bye. Thank you.